Et yo tout le monde, c'est Cracky, on se retrouve aujourd'hui pour en quelque sorte la saison 2 de Rogue Legacy. Pourquoi j'ai décidé de recommencer ce let's play? Alors tout simplement parce que ça faisait trop longtemps que mon let's play s'était arrêté. Et surtout aussi parce que en changeant d'ordinateur, j'ai voulu reprendre mes sauvegardes, sauf que ça a pas marché, du coup j'ai dû recommencer et donc ça servait à rien de faire l'épisode 3 en recommençant. Donc autant recommencer une nouvelle série. Et puis donc pour cette nouvelle série, on va changer un peu les choses. Vu que normalement, en fait, je faisais des épisodes avant de 20-25 minutes. Mais je pense que pour ce jeu, on va faire autrement, on va faire tout simplement un épisode une vie, un peu comme a fait As de Pique. Si vous avez déjà regardé la quelques vidéos de lui sur ce jeu, ben c'est comme ça qu'il faisait. C'est une vidéo une vie. Donc c'est comme ça qu'on va faire. Et donc aussi, pour ceux qui connaissent pas Rogue Legacy, en fait, c'est un roguelike. C'est-à-dire que en fait, là, chaque personnage qu'on aura sera différent, il y aura plusieurs classes mais aussi plusieurs caractères. Par exemple, il y aura des hyperactifs comme des maniaques, ou encore des myopes comme des hypermétropes. Et donc chaque caractéristique nous donnera un défaut assez gênant ou alors quelque chose en plus. Et puis tout ça combiné à plusieurs classes, parce qu'il y aura par exemple chevalier. Il y aura aussi mage et puis barbare, c'est trois classes qu'on peut contrôler au début. Ah non, avec l'assassin encore, il y a l'assassin encore. Et donc, je vais pas entrer dans cette porte tout de suite. Et donc ce qui fait que déjà tous nos personnages sont aléatoires. De plus, le donjon, là, parce que là on est dans un donjon en fait, le donjon changera tout le temps. À chaque fois qu'on meurt, et puis qu'on reprendra un nouveau personnage, eh ben, on n'aura jamais deux fois le même donjon, donc c'est le principe d'un roguelike. Et donc, bah là, on va entrer dans cette porte. Donc voilà, donc moi, ma première série, en quelque sorte, faisait juste deux épisodes, donc je dois le tuer, c'est ça, voilà. Donc, autant recommencer dès le début, on peut dire que c'était une sorte de test. Donc, on va commencer notre première vie, du coup, maintenant. Donc, je vais démarrer le chrono pour savoir si c'est assez long. Ouais, parce que si la vie dure moins de 5 minutes, ça sert à rien que j'arrête l'épisode, je peux directement refaire une deuxième. J'ai pas envie que l'épisode dure trop court non plus. Des épisodes de 4 minutes, ça m'intéresse pas. Donc, je vais tout simplement lancer le chrono, voilà. Donc là, on a, alors, comme c'est le premier perso qu'on a, on a un chevalier. Tout simple, tout banal, avec un sort de couteau. Et qui n'a pas de caractéristiques spéciales, donc c'est normal, c'est parce que c'est notre premier personnage. Du coup, pour les caractéristiques, faudra voir au prochain épisode. Donc là, on va entrer dans le château. Alors ça rame un peu, ça vient de mon logiciel de montage, faudra que je trouve une solution. Parce qu'en fait, il redescend à 30 fps à chaque fois. Donc je pense que la seule solution que j'ai, c'est de descendre à 30 fps. Ça je lis pas parce que mon anglais est le temps que je traduise. On a pour 20 minutes, c'est pas le but. Du coup si vous voulez lire, ben, vous avez qu'à mettre sur pause et puis voilà. Pas trop s'intéresser à l'histoire. Donc comme j'ai déjà joué au jeu deux épisodes avant, j'ai pu un petit peu continuer encore, refaire une partie. Parce que oui, si vous avez remarqué, les deux premiers épisodes que j'ai fait, si vous voulez regarder de nouveau, mon personnage était beaucoup plus lent. C'est parce que j'ai changé d'ordinateur entre temps. Et donc le jeu ramait beaucoup plus sur mon autre ordinateur. Et du coup ça rendait le jeu jouable. C'était jouable mais vraiment facile. Ce qui fait que là comme j'ai recommencé avec un ordi qui... Bon
là c'est mon logiciel de montage qui va le montage, n'importe quoi, de tournage qui fait n'importe quoi. Allez, on se fait taper. Reviens ici. Alors. Du coup, j'ai plus trop l'habitude. Bon, j'ai déjà refait une partie comme ça pour m'habituer. Je suis arrivé jusqu'au niveau 80-90, donc je connais. Puis j'ai déjà fini le jeu une fois lorsqu'il était en lent. Du coup, je connais les boss et tout ça, mais je vais pas spoil. Donc, ce sera pas une découverte pour moi, mais peut-être pour vous si vous connaissez pas le jeu. Le jeu est obtenable pour 15€ sur Steam. Et le jeu date de 2013, donc c'est pas un jeu récent. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours l'obtenir. Je viens aïe dans un piège. Pourquoi il y a une salle en bas? J'ai plus que 31 PV, c'est pas énorme. Donc là j'ai un zombie qui me colle au masque. Tire un coup. Oh, puis il y a lui en haut. Ça, je me fais pas trop. Pas trop. Envahir. Bon, toi, t'es. Ah, c'est bon pour une première game, je t'en ai pas trop mal. Bon, j'ai plus trop de PV, il serait bien de trouver un poulet. Ah, il y a un coffre en bas. Avec un mec relou à tuer. Alors ça c'est un mini boss, donc un mini boss avec 41 HP. C'est chaud hein. Juste là, peut-être que je peux le faire. Ah ouais. Ah ouais, non, ça. Bon. Bon ben pour une première vie ce fut assez court. Mais avec l'introduction l'épisode dure 8 minutes. C'est un peu court 8 minutes hein, parce que là j'ai fait que 3 minutes 40 de jeu en fait. Surtout que j'ai beaucoup parlé, donc on va faire une deuxième vie tout simplement. Comme ça je vais pouvoir vous expliquer d'où est-ce que c'est aléatoire en fait. Donc là on a le choix entre 3 personnages. Donc ici on a 3 assassins, donc voilà, merci le choix. Par contre on a plusieurs traits de caractère. Alors lui il a pas de trait de caractère. C'est la première fois que ça m'arrive d'ailleurs qu'il en ait. C'est bizarre qu'il en ait pas. Il a rien du tout, d'accord. Lui il a dwarfisme. Dwarfisme, ça fait juste qu'il est nain. Et donc en étant nain, bah, on a une portée d'attaque plus petite. Mais on peut passer dans des petits passages. Passages secrets. Qui peuvent être utiles. Lui il a dextrocardia. Ah. Ah ça c'est pas bien. Dextrocardia en fait ça swap, ouais, ça échange les points de vie et les points de mana. Ce qui fait que à la base des points de vie j'aurai des points de mana et à la base des points de mana j'aurai des points de vie. Et en plus il est géant, c'est bien, t'as une grosse portée, mais par contre pour esquiver les attaques c'est relou. Et donc comme c'est un assassin, l'assassin il a pas trop de vie. Je vais plutôt prendre lui. Puis lui il me sera utile. Donc ici on a un château. On va redémarrer le chrono. Alors ici j'ai un château, en fait, à chaque fois que je vais... Enfin, à chaque fois... J'arrive plus à parler. À chaque fois que je vais faire une partie, je vais gagner de l'argent, et cet argent je peux le dépenser pour acheter des pièces dans le château, par exemple ici de la vie supplémentaire. Voilà. Si je peux améliorer les chevaliers en paladin, ce qui fait que je pourrais utiliser le bouclier pour bloquer des dégâts. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Moi, je vais encore améliorer la vie et faire ça. J'ai ramassé pas mal d'or en fait. Alors equip up, ça permet de pouvoir porter des équipements plus lourds. Pour l'instant j'ai pas débloqué le... Si j'ai débloqué le forgeron, donc j'aurai des équipements de base. Mais sinon j'ai pas débloqué d'équipement en soi, parce que les équipements ça se récolte dans des coffres. Plus spécialement dans des coffres en bois avec des bordures en métal. Ça, je les appelle des coffres à blueprint, mais il n'y a pas que des blueprints dedans. Ils sont plus durs à récolter, mais la plupart du temps ils donnent des blueprints. Et puis une fois qu'on a débloqué toutes les blueprints de la zone où on est, parce qu'il y a plusieurs zones, je ne les ai pas montrées, c'est vrai, je vous montrerai après. Et ben on va recevoir de l'argent, donc beaucoup plus d'argent que dans des coffres tout en bois. Donc là je m'égare. Donc ici j'achète ça, puis avec 70 gold, ah, ça c'est 100, et c'est 100.
et de son sang, donc je peux pas. Donc ici on a le forgeron. Ah oui, si jamais l'assassin, bon, il a moins de vie, vous pouvez voir qu'il a que 90, 90 en français, voilà. Il a que 90 et 75 points de mana, c'est normal, mais par contre, il fait moins de dégâts aussi que le chevalier. Mais il peut, voilà, parfois faire des coups critiques et il fait plus de dégâts critiques. Donc il fait 49 de dégâts critiques, c'est pas mauvais. Donc là il me dit j'ai perdu mes blueprints, je peux plus faire de l'armure, voilà. Donc là on a une nouvelle épée à 250 qui fait 7 de dégâts en plus, ce qui est pas dégueu. Un casque qui donne plus 20 HP, donc évidemment il va pas donner plus 20 HP pour l'assassin. On va, je pense, donner 15. Et puis 5 de mana, donc là aussi il va pas donner 5 de mana. Alors ici on a des bottes qui améliorent nos dégâts magiques, c'est intéressant. Et c'est tout. D'accord, on a des bottes, un casque. C'est déjà pas mal. Donc, ah oui, alors Charon en fait il va nous prendre tout notre or à chaque fois. Donc, pour ça qu'il faut bien acheter des trucs avant de partir. Et essayer de pas faire de game inutile. Sinon ça va arriver plusieurs fois que je vais peut-être pas récolter assez d'argent pour pouvoir m'acheter quelque chose. Alors voilà, là il y a une carte de tous les... Enfin une carte, un croquis des endroits qu'on peut explorer. Donc là on était dans le château. Ensuite, alors le château c'est assez simple. La forêt, je trouve que c'est assez simple aussi. Par contre la tour et le donjon, franchement ça devient assez dur. On commence à avoir des monstres... Oui des monstres, on peut appeler ça des monstres. Des monstres vraiment forts. Et vous comprendrez pourquoi dans les épisodes qui suivent. Ah, salle de l'enfer. J'espère qu'il faudra. Ouais, on peut pas aller par ici, c'est mieux. Donc toi, tu me tapes, c'est très bien. Ce que je veux faire. Alors ici on a deux passages. On va passer par là aussi. Un illustre. De l'argent, ça. Ouais, ici on trouve de l'argent n'importe où, hein, même dans des statues. Voilà. Donc on va monter. J'en ai monté. Ah, il s'est suicidé, ah, bah, c'est parfait. Plus simple. Ouais. En fait, les vrais et les faux, on peut les reconnaître parce que les faux, ils ont les bordures un peu plus noires. Et puis ils bougent en plus. Par contre, un coup critique, c'est bien, ça a permis de one shot. Par contre. J'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé en fait. Pourquoi je me suis TP dans le mur? Oh, un petit bug du jeu. Bon bah, deux vies déjà, mais bon l'épisode aura duré assez long du coup. Deux vies courtes mais une assez longue vie. Donc merci d'avoir regardé cet épisode et moi je vous dis à la prochaine. Allez bye bye.